Plus de 5000 athlètes venus de 54 pays africains ont pris part à ces Jeux dans 29 disciplines sportives. Dans la capitale ghanéenne Accra, les sportifs du continent ont connu des moments de gloire. Tant les athlètes que les dirigeants sportifs expriment leur grande satisfaction à l'issue de ces Jeux. Nous avons eu 3 semaines de festival sportif africain passionnant qui a rassemblé certains des athlètes du continent. Sur le plan des performances sportives, l'Égypte s'est démarquée en remportant un total impressionnant de 189 médailles, dont 111 en or, suivi par le Nigeria avec 120 médailles et l'Afrique du Sud avec 106. Les athlètes ont bénéficié de conditions optimales avec des installations de qualité garantissant les compétitions de haut niveau. Pour Minata Samé Sessouma, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, c'était également l'occasion de faire le plaidoyer. Je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de cette occasion pour informer le mouvement sportif africain. La cérémonie de clôture a été un véritable spectacle, célébrant la diversité des cultures africaines et la passion du sport. Les athlètes ont défilé avec fierté, brandissant les drapeaux de leurs pays respectifs, tandis que les artistes ghanéens ont offert des prestations musicales et chorégraphiques époustouflantes. Rendez-vous en 2027 pour les 14e Jeux africains qui se tiendront en Égypte.